Salut Renaud Tablan, comment vas-tu? Ah putain, c'est vrai qu'il capture pas ça lui. Capture game, take. Merde, hop, take. Non, tu veux toujours pas? Je crois que Apéro time. Pourquoi tu me le captures pas là? Allô? Pourquoi tu me captures pas le truc là? Tu te moques? Oui. Voilà, pas la bonne, peut-être pas le bon truc, c'est important. T'inquiète. Si je fais ça et ça, non, ça marche pas. Et aussi, voilà. Voilà. Hop. Tac. Et tac. Voilà, c'est bien comme ça. C'est un petit peu plus mieux. Bon, je sais pas si des plates d'ordi, non? Ouais, rien. Si, là, il y a des palettes là. Il y a des palettes là aussi. Là aussi. Là aussi. Et aussi, bon, j'ai compris. Hop. Commencer par ça. On va commencer par ça. Tu veux pas te prendre. J'espère que t'as passé une bonne journée, Renard Blanc. J'ai compris que tu veux pas rentrer dedans. Tech. Oh, le stock que ça va faire. Oh, pourquoi tu te décales toi? Oh là là, comment c'est. Comment qu'ils nous ont mis ça? Oh non,
je vais tout ramasser. Hein. C'est vrai qu'il met de litres là-dedans. Oh, c'est pas là, c'est là. Ouais, je le sens comme ça. Mais bon, c'est sous la flotte les fraises. Hop. On fera ça à temps perdu si vraiment on a que ça à faire. Mais... c'est vu qu'on va accélérer le temps, de toute façon. Autant les laisser. Hop là. Bon, du coup les champs, ils sont comment les champs? Ils sont propres. Ils sont propres, ils sont propres. Qu'est-ce que ça donne aussi? Les poules, on va voir. Enfin, les poules. 1311 unités. 712 litres de nourriture qui reste. Ça. Hop. Ça va, ça les poules. Ah, quoique, si j'accélère le temps, ça peut pas le faire. C'est good ça aussi. Ça s'est désherbé aussi. Ouais, c'est fertilisé qu'à 50%. Pourquoi mauvaise herbe 30%? C'était pulvérisé ici pourtant. Hop, ça se fait de moque là. Mauvaise herbe. Ah non, pourtant. Par contre, il manque un fertilisant là. Bon, on va fertiliser ça. Là, peut-être pas avec celui-là. Il y a eu le pétio. Là. Ah, j'ai roulé le rassalé, mais. Donc c'est du truc. C'est pas indépendant, c'est un...
C'est un projecteur. Il va loin. Il va loin, il va loin. Excellent, Maurice. On chie un peu le truc. Et on chie un peu. Des petits cafés. Là. Oh, attends, j'ai commencé à épandre où hein, là-bas. Et pourquoi t'as lancé là? T'es sérieux? T'es sérieux? Attends, je sais que je la retrouve direct. Alors, s'ils ont fait les mises à jour, il y a des questions. Du coup, non, j'ai vendu où moi là-dedans? Ok. C'est du coup, j'ai plus rien de chargé. C'est le petit crash. Charge Maurice. Je suppose que tout ça, ça va être fait. Putain, que c'est ça. Une fois que ça c'est fait, je pense que je vais passer le temps. Faire
sur le tracteur, il y a un neutre et puis un sergent. Lol. Pas bugué, j'ai pas bugué. Est-ce qu'on placerait pas un petit bâtiment? J'ai besoin de remplacer un petit bâtiment par là. Bâtiment est pas assez grand pour tout stocker. Ça sert à rien qu'il y en a un dedans. Tac. Alors ça peut être. Du coup, on a dit le maïs en octobre, l'orge en juin, les patates en août, l'avoine en juillet, et le coton, on n'a pas dit le coton en premier. Ah non, le coton c'est en octobre. Raisin en septembre aussi. Ah c'est vrai qu'on aurait pu planter du sorgho. On est un peu con. On a quoi comme champ? Bah, il est bientôt mûr. Ouais. Et c'est de l'orange, non. L'avoine. L'avoine est bientôt. Bientôt prête. L'avoine est bientôt prête. Non, non, les saisons sont pas obligatoires, Roland Temple. Les amis, nous, parce qu'on voulait tester les saisons et tout ça, mais les saisons sont pas obligatoires. J'ai dit avoine, c'est. Ah oui, c'est au mois de juillet. C'est de l'orge, mais on n'a pas d'orge. Non, l'orge en a pas, je crois pas. Tac. L'orge en a pas, ce serait mieux autrement. Ça, c'est du coton. Ça, c'est de l'avoine. Tournesol. Maïs. Patate et betterave. Bon, bah, je vais avancer le temps encore. Il va y avoir un stock de palettes. Oh là là. Je n'ose même pas imaginer le stock de palettes qu'il y a. Là, faut que j'avance 3 jours. Les poules vont avoir faim. Faut aller chercher la bouffe aux poules. C'est tout bon, carvel quoi, bête. Oh non, j'ai encore 400 litres. Et là on va voir poule morte, poule morte, poule morte. Hop.
passe encore un coup. Comme ça, on va pouvoir attaquer la saison des boissons. Du coup, maintenant, on doit avoir les moissons. Alors, tout n'est pas prêt encore. Tu es sérieux? Ah ouais, mais s'il pleut, je vais pas pouvoir récolter. On marche à rien, mon gars, laisse tomber. Je peux plus l'attacher. Oh, c'était quoi cette merde? Hop là, tu l'as, je suis pas loin. C'est un peu le temps. Retourne le chaud cul. Ah. Écraser un grain. Mine, je vais accélérer un peu le temps. C'est pour là. Tac. Tac. C'est un peu le temps juste pour que l'eau passe. Ça doit pas être embêté avec l'eau. Non, ouais, les saisons, tu peux désactiver les modes saison, tu peux. Attends, c'est un quoi déjà? C'est un danger. La croissance saisonnière, tu mets non. Puis après, tu peux choisir un mois que tu... qui est fixe. Même si tu joues sans saison, tu peux avoir un mois fixe, par exemple, mois de décembre, mois de. Février, ce que tu veux. Je crois qu'on peut récolter quand il pleut, mais on a moins de. On récupère moins d'argent, je crois. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai compris. Stress et j'ai enfin. Lui en pensant, je peux pas le tracteur avec la benne. Ça marche pas, son alerte. Ah, ça y est. Comment vas-tu, mon petit lance-dalle? C'est vrai que monsieur va avoir 23 ans bientôt. Pissou. Mais nous aussi, cher ami. Nous aussi.
le 46 radar tapant. Oh le vieux quoi. Oh le vieux. T'as 9 de plus que moi. 9 de plus. Allez, première moisson sur FS22. Très bien. Tu fous de moi, il pleut plus là. T'es blond à 16 ans. Ouais, ça arrive de bonheur les cheveux blancs. Allez, première moisson sur le 22, impeccable. Je trouve que le batteur, il leur batteur, il tourne vite. Ouais bah oui, c'est ce que je dis. Tu avais les cheveux blancs à 16 ans. Ça sert à rien ça. Moi je me dis qu'en époque un peu. Ma grand-mère a 86 ans. Elle avait des cheveux blancs que tu as 30. Ah oui quand même. C'était le warrior ta grand-mère, c'est pour ça. T'as le rosol, tu vas trouver le curé toi. C'est pour ça que tu te dégarnis. Oui, pour le vrai seul, c'est joli. Sinon. Par contre, je vais mettre ton estérien, on s'en a vu à ta rien. Ouais, c'est ça. Tu manges pas, Randall? Et tu manges? C'est bien, si vous êtes deux à me parler, je vois qu'un spectateur. C'est pas mal. Je l'ai jamais fait, ça encore. Ta chaise, c'est ça. Pas de problème. Du coup, je vais être tout seul. Ça dit que ce n'est pas là non plus. Il rentre que de ma soeur. Et puis en plus ce soir ça se connecte très très bien. C'est un peu comme si je fais geek dedans, je me suis reconnecté aussi tout. Que du présentiel, ok. Pas de problème, pas de problème. Message.
sont propres les moissons. Je sais pas si en. Après, je pense pas qu'en réel t'as autant de paille qui passe sur le côté. Hein. Je sais pas ce que c'est si je passe sur le côté. Hein. La paillette. Par contre, je pense qu'ils auraient peut-être pu forcer un petit peu plus sur la poussière. Hein. Salut Clément. Comment vas-tu Clément? Alors, comment te dire? Est-ce qu'il est bien farming? Alors, attends, on va regarder un truc. Il est où farming là? Voilà. Ah, j'ai quand même 21 heures de jeu dessus. Bon, c'est pas possible. On a déjà joué 21 heures en Lourdes sur le jeu? C'est le mini-pike qui part sur le côté, ok. Bon, on a 21 heures de jeu, mais ça passe vite. On a pas fait grand chose, on a rien fait dessus. Après, il y a plein de trucs, enfin. De ce qu'on a fait pour l'instant. On a. Attends, tiens, on va couper ça. On a. Je trouve qu'ils ont amélioré le fait de pouvoir placer des bâtiments, de ça, c'est plus sympa. Ça, c'est beaucoup plus sympa. Les serres, par contre, on a testé les serres, c'est un peu abusé, c'est qu'on peut, on n'a pas de graines dedans, mais que de l'eau. De l'eau, puis ça te fait des palettes directement. Alors, les palettes pilées, là, c'est nous qui les avons mises comme ça. Mais le problème, c'est que ces palettes-là, ça fait 150 litres. Et tu vois, dans les stocks, on a 10 050 litres de fraises. Donc, je vais s'imaginer le nombre de palettes que ça fait, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Et après, on a. On a un peu tous. On a semé un peu plus. Un peu à droite à gauche, quoi. Mais on a fait les. Le raisin aussi qui est pas mal. Le raisin et l'olive, je vais aller voir, tiens. Je peux pas monter dedans? Ah non, c'est l'ouvrier, quel con. Hop. Voilà. Et du coup on a mis ça en place, ça, ça c'est les oliviers. On trouve un peu que je trouve, enfin moi personnellement je trouve un peu con leur système de. Pour placer les oliviers. Il n'y a pas de. Tu peux pas faire une ligne droite correcte sans. T'as pas de guide en fait. Et le raisin c'est pareil, t'as pas de guide pour les mettre en place, donc c'est pas évident. Oh bah il est propre le raisin comme ça. Donc maintenant on ne peut qu'à voir ce que ça donne quand ça va pousser tout ça. Quoi. Après, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait les. On a ramassé les pierres, tout ça, que ce soit pas à faire. Et le. Le biogaz aussi, il y a le biogaz. Là. Ça, 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 ici, il y a le biogaz. Le biogaz est sympa aussi. Oui, c'est clair, après, on a passé plus de temps à essayer de rejoindre les serveurs qu'à. Le biogaz, je trouve que c'est sympa là, les grands bâtiments comme ça. Et c'est surtout ça qui est sympa là. Si les silos ils sont comme ça maintenant, c'est carrément mieux que. Alors, énormément de place là-dedans. Tu peux venir là directement. T'as deux gros trucs pour venir, c'est carrément plus simple, je trouve. C'est quoi ça? Construire le bâtiment d'usine biogaz. Ah, faut construire le bâtiment. Ok. Lâche-moi la grotte, hein, merci. Ah, il y a qu'un construire par contre. Ah, oui, s'il faut lâcher 1,5 million à chaque fois. Du coup, je vois pas ce qu'ils peuvent construire comme bâtiment. Je sais pas. Et je ne sais pas. Mais du coup, on fait un moisson.
Bah après le skimmer en ce moment c'est leur c'est le multijoueur qui fait chez moi. Le crossplay je pense que c'est ça qui fait chez moi. Après si jamais tu veux venir il y a de la place sur le serveur. On est que 4 et il y a 8 places. Il y a de quoi faire. Mais si tu veux te faire une ferme de ton côté. Teste les vaches sur la phase 19. La phase 19 était bien fait. Hein. Il n'y a rien à dire sur la phase 19. Il y a quelques trucs qu'il devait rajouter. Mais... là le FS22 c'est l'usine de la famille. Parce que quand tu prends les... Je sais pas après si tu veux que je te spell un peu ou pas mais... quand tu prends les constructions, bah, les usines, comme tout le monde le savait qu'il y avait des usines maintenant. Les usines c'est ni plus ni moins les... Ah d'accord. Ah, les usines, c'est juste le Global Company qu'ils ont installé, quoi. C'était les usines de sucre, les ateliers de tailleurs, les usines de céréales, la huile, c'est vraiment... le seul truc qu'on disait avec les Glocks qui est un peu con, c'est ça. Les points de vente. Tu places les points de vente où tu veux. Bon, si tu veux placer le point de vente là, tu peux le mettre où tu veux le point de vente. Ouais, faut qu'on voit c'est qu'on les place. Mais le problème c'est que... j'ai pensé à ça mais... il va falloir qu'on achète plusieurs parcelles. Ou au pire on prend un grand champ et puis on place tout correctement dans un grand champ quoi. On file mal de mastune à la ferme qui s'occupe de ça et puis... c'est officiel. Enfin, c'est le jeu sorti officiellement, normalement devrait être fini. Mais on n'a toujours pas eu la mage. Comme à chaque sortie des phases 9, on va l'avoir qu'à Noël. Ça, je suis sûr. Un mois après la sortie, quoi. Mais oui, on va les placer sous le nom d'une ferme, ça c'est sûr, on l'aura, mais. Faut qu'on voie, parce qu'il faut qu'on achète trop de parcelles avec d'autres fermes non plus, parce qu'il faut que ça nous bloque au niveau des champs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et on va faire encore deux mises à jour, je pense. On a déjà eu des petites mises à jour de AMB, quoi. Histoire de corriger les problèmes qu'il y avait avec les Macs, je sais pas quoi. C'est propre après. Hein. Bah, certains trucs comme la. Quand tu passes des chômeurs dans les chaumes, la texture fait bizarre. Ça fait bizarre, mais autrement, les... tout ce qui est la bourre et tout ça, ils ont amélioré. Une... ils ont amélioré la texture. Quoi. Même l'arrêt de la bourre, ça fait un peu plus propre. Après, bah, c'est mon opinion, moi.
Le truc de ramassage de cailloux, c'est pour les... Bah ça ramasse les cailloux qui sont au sol. Ces cailloux là. Ça là. Ça là. Tout ça. Bah après c'est pas... On passe énormément de temps mais c'est pas rentable. Soit tu les prends, tu les vends dans les... Tu les vois là-dedans là, dans la machine là. Et ça te fait de l'argent. Voilà, c'est tout le coup ça sert, c'est juste à faire un peu d'argent. À moins qu'ils aient mis une usine qui, qu'on n'a pas vu qui sert à quelque chose mais... Ok. Je pense pas, on a pas vu d'usine la dernière fois. C'est quoi ça? Ah, c'est l'huile. Putain, je vois ce que c'était. Et c'est con parce que tu vois le. Merde, casse-toi. Le coup de mettre ça, ils auraient pu mettre un. Oh là! Oh là! Oh là! Hii! Avec l'arc qui avance. Tu vas y arriver. Ils auraient dû mettre une carrière ou une cimenterie, une carrière comme ça. Ou un truc pour faire des... transformer en gravier ou des trucs comme ça, un concasseur. Peut-être l'améliorer ça, non? Par contre, ils auraient pu faire l'animation directement de la buse. Hein? Pas des cantelets? Plante-les. De quoi? Planter quoi? Des cailloux? Ça se plante pas les cailloux. Ça se plante pas, ça va être là. Ça pousse pas. C'est quoi qu'il y a dedans? Faut monter là-dessus. T'es sérieux? T'es sérieux? Hein? Allez, monte là-dessus. Hein. Moi, j'ai la personne handicapée. Aussi je kiffe là les classes. Bah c'est du gros là. Bah encore celle-là c'est pas la plus grosse, je sais plus si on a pris la plus grosse. Est-ce qu'on a pris la plus grosse en machine? Non c'est celle-là qu'on a pris. Ouais ça. La plus grosse c'est celle-là, c'est à 8900. Oh. Petit petit petit. Ça sent le plantage, non? Voilà. Encore plus grosse, celle-là. Elle fait 780 chevaux et 18 000 litres. Le Xerion, d'ailleurs. C'est sûr. Je le kiffe aussi ce tracteur là. Il est là. Non, il a pas la cabine qui tourne celui-là. Si? Ah, je suis pas sûr. Non, je crois pas celui-là, il a pas la cabine qui tourne. Je pense pas. Non, ça va être l'autre. C'est le 3000. Ah, on l'a pas. On l'a pas le 3000. Non, non, on l'a pas, celui-là qui a la cabine qui tombe de chez Klaas. À moins qu'il soit en traiteur moyen, mais ça m'étonne. Non, il est pas là. Non, c'est le 3000. Ça, c'est le 5000, c'est ça. 4000, celui-là. Bah, après, t'as d'autres qui ont les.
Tu peux retourner. Hein. Les Voltrans. N'a pas de gros Voltrans là. Et on les a plus les Voltrans. On a plus les Voltrans. Ils sont sérieux? Le turbo 5000 compatible avec la remorque aux rayons. On a plus que celui-là, Voltran? Ils sont sérieux? Ouais, ça, c'est ce qui se tourne, Voltran. Mais t'as quoi comme tracteur, toi? Attends, tu m'as dit le Twin Turbo 5000 compatible. C'est quoi ça? Il y a un nom dedans, celui-là? On l'a pas le Twin Turbo 5000, si? Ah d'accord. J'ai pas d'âge ici. Là-dedans, quoi. Il sait où. Ouais, c'est ce qu'il y avait que ça. D'accord. Ah bah c'est si c'est le gros du coup, non? Ah non, vous l'avez mis dans quoi ce machin là? Ah si, c'est sûr, qui va être la cul. Ah, j'avais un peu fait gaffe, les relevages à rien. Ok. Gender 5080. Une Sam Fritero. C'est les deux que j'utilise le plus. 5080. Oh, les apos là. Ça, je crois que c'est la série 6 qu'on a. 7000, 4000. Ça, c'est la série 6 et 6000, c'est ça? 5000, c'est un petit, ça, non? Non, non, c'est un gros, ça. C'est un 6000, ça. C'est ça, les 6M et série 6 et 6000, non? Je sais pas comment ça marche. Après, ce qui est dommage aussi, c'est pareil. Hein. Ils ont viré plein de matos, ce qui est intéressant. Les camions, déjà, ils auraient pu faire autre chose que de foutre que des camions américains. La machine à patates, c'est bien qu'ils l'aient changé, par contre. Elle est carrément plus propre. Ah ouais, d'accord, je vois. Ah, ces petits machins comme ça, là. Les petites trapanelles là qui se couchent de peur. Celui-là il est marrant, il fait du rire ici. Celui-là il est bizarre. Hein. Il fait vraiment bizarre celui-là. On l'a mais il fait vraiment bizarre. C'est la plus grosse silo, la machine à patates. Ouais, la machine à patates, elle est mieux. Hein. Carrément mieux, même. Carrément mieux. Elle fait 22 mètres cubes, maintenant. Carrément plus belle. Elle est meilleure gueule que l'autre. Hein. Oui. Celle-là. Celle-là ou celle l'autre? Attends bien. Viticulture, si c'est ça là. Par contre, c'est le seul truc qui est. Qui... Là, c'est pour la vigne et ça, c'est pour la. C'est pour les olives.
Mais par contre, après, tout ce qui est... C'est que du petit matos après. Enfin, c'est que du petit matos. Il y a juste ça. Et puis ça, quoi. Parce que ça, c'est la remorque. La remorque à... Je sais pas comment elle marche, hein, acier ben. Celle-là, la carme la trappe, là. J'espère qu'il y a une animation quand tu ouvres la trappe là. Ouais, vivement les modes. Oh oui, les trucs, vivement les modes, ça c'est clair. Et ça, c'est quoi déjà? Ah, ça, c'est une grosse benne. La bascule. Par contre, il n'y a rien pour l'huile en fait. Enfin, pour le. Pour les. Les olives. On utilise le même truc que la viticulture en fait. Tu vois, c'est ça l'arme, c'est pierre. Sans sapin. C'est pareil, il y a plein de déchômeurs qu'ils ont virés. Ils ont rajouté des trucs un peu chelous. On a fait le tour la dernière fois, c'est un peu... il y a plein de trucs, c'est un peu bizarre. Qui sont bien et d'autres qui sont bien. Les bâtiments c'est pareil, on a pas du mal à les coller correctement. Ça tombe, ça chevauche. Par contre la gestion du terrain, au niveau du terrain ça a l'air d'être... Enfin c'est plus simple. Enfin, moi personnellement je trouve ça plus simple. Sur tout ramasser d'un coup, enfin tout ramasser d'un coup, enfin quelle machine je pense. Faut que je trouve du petit matériel aussi. J'ai pour ton level up, Lonza. Profite de Lonzal si tu veux rattraper Alex. Fais le recul quand il s'allume mon gars, je vois pas être derrière. Bah, tu pourras pas passer le premier mais c'est magique ou l'âge 24 donc je sais même pas s'il est là. Il doit être là, il peut voir de l'ombre je suppose. Pas ça marche plus, je sais pas pourquoi que ça marche pas, mais tu fais comme comme ils disent, j'ai tout remis correctement mais ça marche pas. Il est pas là la magie, tu peux rembourser Clément Lozal si tu sais comment faire s'il te plaît.
j'ai un point vert moi là. Paramètres du chat, c'est quoi ça? Attendez, je reviens. Allez, attends, je vais enlever ça. Tac. C'est quoi ça? Ça, oui. Examiner de mon avis, non? Bon, je sais pas. Hop. Non, non, clairement, ça, c'est normal. Bon, c'est. Normalement, quand t'es en. Quand t'es en mode bodo, en mode modérateur, t'as. Sur le côté gauche, t'as une espèce de petit éclair, je crois. C'est le fil d'activité qui ont des. Des récompenses et tout ça. Et t'as, normalement, après, c'est marqué. Quand tu cliques dessus, c'est marqué. Approuvé ou remboursé. Ah oui, si c'est sur tel, non, c'est pas la peine. Non, je l'ai fait. Je sais pas si si vous séparez, mais moi mon nombre de spectateurs est bugué. Il reste à 1 depuis tout à l'heure. Alors vous êtes au minimum 2. Ça, je vais réussir à tout prendre. T'as 3 toi? Ouais. Moi j'ai 1. Sur ce téléphone, t'as moins de. T'as moins de. Comment ça s'appelle de... T'as moins de paramètres. Ah oh ouais, c'est plus que, que Twitch. Ah, t'as un, toi aussi, on attend. Ouais. C'est pour ça, c'est qu'en plus, leur compteur il se base par rapport au. C'est un. T'as un nombre de spectateurs réguliers, enfin tu. C'est un truc de vue moyenne. Il se base par rapport au nombre de spectateurs qui a d'affiché, il se base pas par au message ni quoi que ce soit. Donc. Moi je me tiens à 3 en moyenne. Je suis à 3. Peut-être à 3-6 je crois comme ça. Moi c'est bon, ça me convient. Ça y est, ça affiche 3. Hop là. Qu'est-ce que je fais l'avoine? Je la vends? Je la vends ou je la garde? Avoine. Ah, 2126. 2122, je veux dire. Merci d'être passé avec Léon. Bonne soirée à toi aussi. Marquer l'endroit. Oh putain, c'est là-haut. On peut y aller en direct là. On teste. Hein. C'est abuse là. La terrière. Vous appelez ça une terrière. Là.
Ils ont changé tous les noms, c'est bizarre. Ah, je peux penser à regarder si on avait gagné des sous avec les panneaux solaires. Ah, 1600 balles, les gars. Je pense que c'est ça. Ah, on en fait ça. Non. Moi, je pense que ça va plutôt être ça. Bon, ouais, 2700 balles, c'est pas ouf. Mais. Trop cool, Maurice, trop cool. Qu'est-ce que je fais du coup dans ce dalle? Je vends ou. Ou je garde en stock? Je vais essayer là. Dans le poteau, okay. Ouais, je vais en mettre au pool et puis après je vais vendre. On a combien? On a 20 000 litres. Hein. Après, je vais voir ce que je mets au pool. Si j'en mets beaucoup au pool ou pas. Le son aussi, ils ont vachement amélioré le son. On peut pas donner ça aux poules? Non. C'est quoi qu'on leur donne aux poules? Que du blé du coup? Un céréale. Blé, orge, sorgho. On peut leur donner du sorgho. Oh bah c'est parti. Allez, on va rouler. C'est vrai que les véhicules, je les trouve beaucoup plus maniables que dans le 19 en fait. Ah tu vois, on entend le bruit des suspensions, tout ça. Je sais pas si vous entendez. Quand t'as les scouts, c'est ça, t'entends les carreaux qui bougent et tout. Enfin, qui tape. On n'entend plus rien.
t'entends, je sais pas si t'entends. Ah, je m'en doutais ça. Faut mettre ça dans le train, quoi. Je m'en doutais. Ça va du train. Où c'est qu'on vide ici? C'est ça là? On s'en porte là pour changer le train, je pense pas. Non, c'est les copeaux là. Bon, ça va qu'on vide pas le train. C'est quoi? C'est la série qui est là du coup là? Ah, ça. Faut attendre l'échec. Attends, je vais passer par là. Si du coup tu peux récupérer ton gralin chez vous. Hop là. Ah mais attends, si je vide là, je vais le vendre là, non? C'est un point de vente, ça, non? Non, c'est bon. Mais lol. T'es sérieux qu'ils ont fait ça? Non, je peux pas rouvrir la benne. Vous avez vu comment, non? La benne a bien traversé le toit là. Ça c'est quoi ici? Ah c'est quoi ça? Ah c'est la chaux. On va prendre un sac de chaux, c'est deux. Du coup, le train, il est où le train? Faut que je le chope, lui. Ah putain, attends, ça se fait désactiver. C'est ici, on s'en fiche. Il n'y a pas passé au train, je sais pas quoi là. Non, on peut pas se servir du train. Ah non, je sais, faut le choper quand il passe. À tous les coups. Il est encore en train de remplir. Hein. Arrête, moi, ça va déborder. Oh. Plein à la gueule la machine. Ah bah voilà, t'étais pas sur ton écran, c'est pour ça. Mais en fait, le haut de la benne a tapé dans le. Enfin, a traversé le. A traversé le toit. Mais il est où le train? Il est que là. Pas volonté. C'est quoi ça? Rendre le train, oui. Faut louer le train.
Ben non. Rendre le train loué. Tu fais comment pour louer le train? Je suis pas dedans. T'as un truc que je comprends pas. Comment est-ce qu'il doit transporter? Ah voilà, ça, je peux monter dedans. Ouais, en fait, faut que tu le loues pour pouvoir monter dedans. Ok. Enlever bâche. Ça s'ouvre, ok. Si je fais R, blé, non. Avoine, colza, sango, raisin, olive, tournesol. On peut tout mettre dedans, quoi. Ah non, pas tout. Se rendant à la Marison. À Marison. Elle reviendra de l'autre côté de la carte. Elle voulait que le train vende la marchandise chargée. Ouais. 44 000. Ok. Louer le train pour 1000 euros par an. Non, j'ai pas envie. 1000 balles de l'heure quand même. Pour donner une location à train. C'est pas donné. Voilà. Ok. Tout. Allez, c'est reparti. Rentre à la maison. Bon, en fait, tu le loues. Tu le loues, mais 1000 balles de l'heure, quoi. Ouais, ça. Tu le loues 1000 balles de l'heure, et une fois que tu l'envoies de l'autre côté, bah, ça te le déloue. On va dire ça comme ça. Ouais, t'entends les bruits de la remorque en fait derrière. C'est la remorque qu'on est en train de taper derrière. Tidit.
Du coup, on va voir si on peut mettre ça dans le silo. Si on peut mettre ça dans le silo, ça évite de l'en acheter. Attends, je commence à être naze. On a fait une bonne journée hier, une bonne journée aujourd'hui. Attends, c'est lequel pour décharger, c'est sûr. Je peux pas vider. Je peux pas vider ici. Non, t'es sérieux. Je vais vider ce mou. Qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment? Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment? Abri. Conteneur. C'est quoi ça? Oh, j'ai fait une boulette chef. Putain, je vais foutre ça dans le coin. Je vide ça en bas là-bas. De toute façon, je vais pas attendre le choix. Je vais pas attendre le choix. J'ai failli ensevelir les Fenwick. Donc ça, on va remettre ça là. Ouais, c'est plus que pour petit, parce que c'est clairement. On a l'impression de varier vider de la chape aux tenues blanches. Oula! Il y a une latence. Hein. Il y a de la latence ce soir. Donc, la presse, la presse. La mise où la presse. Là. Bon, voyons voir ce que ça donne les balles. J'ai bouffé un morceau de coton. On t'a plus la bête. On va tirer le giro. On met la bête en route. On la baisse. Et c'est parti.
C'est pas tout le monde ça. Par contre, ça prend pas tout, t'es sérieux? Et ça marche, ça marche rien. Faut être bien dessus. Hein. Faut vraiment être pile poil dessus. Hein. Hop là. Litres. Elles font 8250 litres maintenant les bottes. Ah, changer la taille de la balle. Attends, je vais finir ce qui est en cours. Je vais modifier. On va voir si ça change quelque chose réellement ou pas. On va tester. Hein. Hop là. Ça récupère ce qu'il y a derrière, quand même. Je dis 8250. Décharge. Il y a 3 dedans maintenant. Ok. L 240, 180. Enfin les 180 tiens. On va voir si ce sont différents de bon. Maintenant je vais attendre 240 du coup. Ok. Il y a quelques bottes là. Il va falloir tout ramasser. Ça change rien du tout du coup. Si je m'en garde, non. D'en mettre une à côté des autres là. Si je peux. Ouais, je pense que ça. Ouais, elles sont plus petites. Ah, ouais, si, il y a pas photo, elles sont carrément plus petites.
contre, la texture elle fait bizarre, non? Ça c'est la largeur, enfin la longueur. Donc là 7000 litres, 8250 litres. Est-ce que je peux changer maintenant ou pas? Tac. On va faire les trois, on va tester. On va pas mourir idiot. Ah dégueulasse, on dirait texture du 13. Franchement, j'ai l'impression qu'ils ont pris la texture du 13 en dessous là. Ils ont foutu les polygones qui dépassent du 15 et puis voilà. Ça fait les bottes du 22. Ah, ils sont pas belles. Ils sont vraiment pas belles. Ça c'est tout ça moi que j'en reproche. Tous les pieds là, les bras de paille ça, on les voit pas, c'est pas assez... Le truc où je suis un peu déçu, c'est de pas avoir les veaux. On n'a même pas regardé la taille du... La taille d'un pré. Oh oui, quand même. Oh oui. C'est chiant que ça laisse plein là. Oh, t'as combien celle-là? J'ai pas fait gaffe. 7000 aussi? Non, c'est pas possible. Un petit peu plus long que celle-là. Et pas grand chose, mais. Mais du coup, elle fait combien? 7000 litres, 7000 litres, 8250 litres. Il y a un souci. Ça ne devrait pas faire 7000. Ah, un petit peu plus haute. Ouais, elle est un poil plus haute. Ouais, je sais pas. 2, 4, 6 et un 7. 2, 4, 6 et un 7. Bah si, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit poil plus haute. Non. On verra bien.
Après, je suppose que l'auto-chargeuse doit être. Il doit falloir la régler par rapport au bot. Thank you. Si on peut espérer finir de remplir la presse avec ce qui traîne. Ça. Hop. Hop là. J'espère que les bottes ne font pas pareil. Bloc désert. Du coup, le plateau. Oh putain, le plateau, il y a des trucs dessus. Des trucs dessus. Le Tesco. Ok.
tu run. Oh si c'est costaud. Comment on une carte des forges déjà comme ça. Comme ça. Hop là. Ça faut que je les pose. Je vais poser là. On n'a pas de fourche. Hein. Fourche à balle. On a que ça comme fourche à balle. Eh ben, on va reprendre ça comme fourche à balle. Les gyro. T'as fini de remonter ton tracteur en fait. Hein. Allez, biche! Allez, voilà ma biche! Je l'ai écrasé, je l'ai écrasé. Je suis que baillé. C'est la faute de Lonsdal, ça. Ouais. Peut-être un plaisir, mais tu portes de quelle pièce? Pas une, du tracteur. Et vous avez quoi changé dessus, du coup? C'est toujours aussi casse-couille, ça si tes fourches sont un petit peu inclinées. C'est là.
comme une rotule au niveau de l'articulation. C'est une rotule de direction, quoi. Non? Ah non, oui, je vois, d'accord, oui. C'est un chic, c'est capable de... C'est deux pièces en U qui viennent s'emboîter l'une dans l'autre, c'est ça? J'aurais pu les prendre un peu plus au milieu quand même, mais pas les bottes, voilà. J'avais pas pris ça comme un grand. Non, non. Ouais, je sais pas faire. C'est juste deux axes qui se croisent. Ah mais ça c'est deux U avec un axe au plein milieu. Non, c'est pas ça. Je suis là en fait. Ok. Ok, nickel. Si je le mets là, ça va faire bizarre. Je sais pas où lui mettre la machine. Ah si, je sais. Alors tu tournes et bouge pas. Par contre, ton petit boss est... Là. C'est plus passionnant en famille, rangé aux bêtes. Oh putain. Là, j'ai un FO dans le silo. Ils auraient pu faire en sorte que le...
le fond du silo se mette en place en tant que le... que le sucre. Je les enviens par deux. Ça va être moins risqué, je pense. Ah putain, je m'en doutais de concentrer. Mais non. Par contre, les machines qui se déplacent à chaque fois que tu mets le clic sur la terre. C'est un petit peu abusé. Hein. Je suis dégoûté que le fond c'est pas drôle. Ouais, faut pas faire ça, ça va me faire des conneries plein. Après on va dire que je fais ça même. Voilà, excusez, j'allais faire une connerie.
Ok, j'ai pas commencé à bouger pas du tout. Là, ça se coule dans tous les sens. C'est un peu bizarre, ce truc. Faut qu'on pense à niveler les terrains avant de poser les bâtiments. Ça c'est une petite, ça par contre. Ça c'est une petite avec les quatre. Toutes les mélanger. C'est une moyenne. Le temps où là-bas c'est une moyenne aussi, je crois. Hop. Non, faut lâcher, monsieur. Faut nous lâcher, monsieur. Faut me lâcher, monsieur. Pourquoi tu vas pas me lâcher? Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir les bottes du... Votre du FS13 avec le ou FS15. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre.
zig, zig. Ça fait ziggy, ça fait zug. Ça fait bim et ça fait vroom. Hop là. Hop. Avec deux bottes et puis ça. Et bien ça, on s'est raté. Ah, c'est simple à ramasser. Je suis sûr qu'il me vient de faire des beaux plateaux. Hein. Je vais faire qu'un tour. Mais c'est net. Mais non. Hop. Je ramasse ça. Oui, on s'arrête là. Hop là. Voilà. Ah bah nickel. Nickel, nickel. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Oui. Je vais laisser rentrer. Tu vois, je vais pour le laisser là. Ça fera plus propre. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Vous souhaitez la bonne nuit. Et à demain.